Manon, félicitations. Je suis là, en français. Pardon. Je commence pour ouvrir en français. Bravo pour ton combat et ta victoire. Est-ce que tu as conscience de ce que tu as pu accomplir ce soir? Il y a encore quelques années, 4-5 ans, c'était pour les journalistes français et pour les athlètes, inimaginable d'avoir un Français en tête d'affiche ici en France et à Paris. Aujourd'hui, on a un Français en main event et une Française en co-main event. Est-ce que tu as conscience de tout le chemin parcouru? Et j'ai cru avoir aperçu Christophe Midou dans ton coin. Christophe, qui est le premier Français à avoir combattu à l'UFC. C'était l'UFC, je crois, Fight Night 6. Ça ne nous rajeunit pas, mais est-ce que tu as conscience de tout le chemin parcouru? Oui, bien sûr. Je pense à tout ça. Et franchement, c'est une grande fierté. Cette soirée, elle était incroyable. Le public français... C'était une ambiance, franchement, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Et d'avoir battu une légende comme Rose devant mon public, c'est juste la soirée parfaite. Manon, félicitations. I see your right knee is wrapped up. What happened? Rien, c'est juste sur les low kicks, en fait. J'ai pris beaucoup de low kicks et ça a juste un peu gonflé, mais le genou n'a rien. My knee is okay. It's just I block one low kick and it's a little painful, but all is fine. And the headbutt, when you guys clashed heads, it felt like it, you know, it brought out this aggression out of you. What was your reaction when you clashed heads? Did you get dazed a little bit? Did it make you dizzy? Or were you conscious the whole time? Est-ce que le coup de tête t'a étourdi un petit peu ou comment, qu'est-ce qui s'est passé? Non, le coup de tête m'a pas du tout étourdi, mais c'est le sang après qui m'a un peu gêné puisque ça coulait dans mon œil et ça m'a un peu gêné par la suite. No, honestly, it's just about blood in my eyes was sometimes difficult during the second and third round. And during the fight, Rose tried to shoot for a couple of takedowns. I believe most people in this fight expected maybe you to wrestle. That's what people were saying when analyzing the fight. So were you surprised that she was trying to wrestle you? Rose a essayé de t'amener au sol à de nombreuses reprises et les observateurs pensaient que c'est toi qui lutterais pendant ce combat. Est-ce que ça t'a étonné? Non, ça ne m'a pas étonné. Je savais que j'étais meilleur en striking. Et forcément, quand j'ai vu le premier round se dérouler, je savais qu'elle allait shooter, mais c'était impossible pour elle de m'emmener au sol. No, absolutely not. I know I'm a better striker, so I'm pretty sure she wants to wrestle me, but for her, it's impossible to take me down. And did the fight play out the way you expected it to? It was mostly on the feet. What did you think kind of Rose's performance at flyweight? We know she's a very good striker, but did the fight overall go the way you expected it to? Le combat s'est donc déroulé essentiellement debout. Qu'est-ce que tu penses de Rose en flyweight? Je pense qu'elle manque quand même un peu de puissance dans cette catégorie. Après, je ne sais pas ce qu'elle va faire, si elle va rester là ou changer, mais ouais, je pense que ce n'est pas sa catégorie. Non, je pense que ce n'est pas sa catégorie. Je pense que the flyweight est trop strong pour elle. And one more for me. You called for the title shot between Alexa and Valentina. Is the plan here, regardless, to wait for the winner? Like, you don't want to take any other fight, that's what you're going to do? Tu as demandé la ceinture après ton combat. Est-ce que tu vas regarder Santos contre Tchatchenko contre Grasso et est-ce que tu vas call out la vainqueur? Oui, bien sûr que je vais regarder ce combat et quoi qu'il arrive, je prendrai la vainqueur, c'est sûr. Bonsoir Manon. Oh, pardon, Alec, tu peux traduire? Non, je vais traduire. Elle a dit, bien. She said, oh, for sure, I want to take this belt and I take the winner. Merci. Bonsoir Manon. Anes pour Culture MMA. Petite question. On sait que l'UFC aime bien proposer des combats malgré les call-outs. Si jamais on venait à te proposer Erin Blanchfield, qui a combattu justement la semaine dernière et qui a gagné, vous êtes les deux clairement dans la discussion pour le title shot. Est-ce que tu accepterais ce combat ou tu es vraiment focalisé sur le title shot et la gagnante de Grasso Shevchenko? Pour moi, je mérite clairement la ceinture. Je vois pas pourquoi j'affronterais Erin, mais s'il faut le faire et que j'ai pas le choix, bien sûr, ce sera un combat facile pour moi. Ok, merci beaucoup et encore félicitations pour cette victoire. Félicitations Manon, désolé, j'ai laissé ma voix. C'est toi qui avais demandé un combat pour ton retour avant la ceinture. Est-ce que tu te sens prête maintenant? Tous les doutes sont levés? Oui, carrément. J'ai pris Rose dans ma jeunesse, qui est une ancienne championne. Je l'ai dominée de tous les rounds. Donc oui, je suis prête à 100%. Merci beaucoup et félicitations encore. Merci. Manon, over here. There's been a lot of different scorecards posted across social media. A lot of people believe in Rose won. How confident were you that you got the decision? Il y a des scorecards qui sortent sur Internet qui disent que Rose a gagné. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
Non, pour moi, elle a gagné aucun round. J'ai pris aucun coup à part un coup de tête et de low kick. Donc, je vois pas comment elle a pu gagner ce combat. No, absolutely not for me. She don't win a round. I just take a headbutt and two low kicks. That's it. And you mentioned wanting to wait for the title shot. If the UFC were to come to you and say, we want you to fight Blanchfield in the title eliminator, would you take that fight or is it 100% wait for the title shot? C'est la même question que tu as eu en français. Si l'UFC te demande Blanchfield avant le title shot, qu'est-ce que tu vas prendre? Bien sûr, si l'UFC me donne Blanchfield, je la prendrai, parce que, comme j'ai dit, c'est un combat facile pour moi. Like I said earlier, for sure, if UFC want to fight Blanchfield, I take the fight. It's an easy fight for me. Thank you. Bonsoir Manon, félicitations pour cette victoire. Cette victoire ici à Paris devant le public français, qu'est-ce que tu penses qu'elle représente pour le MMA féminin ici en France? Je pense que ce combat a fait quelque chose de très bon pour le MMA féminin. Je pense que tout le grand public a pu découvrir un combat de haut niveau de MMA féminin. J'espère avoir livré la performance qu'ils attendaient, mais je pense que ça a été un beau combat entre deux strikers de haut niveau. Et merci. Manon, je voulais savoir, félicitations déjà pour cette belle victoire. Est-ce que tu penses que c'est un combat qui a été nécessaire, qui t'a appris des choses avant de combattre pour la ceinture? Oui, clairement, c'était une adversaire très expérimentée qui a déjà remporté la ceinture par deux fois. Donc oui, pour moi, c'était important de passer ce premier test et je me sens encore plus prête pour la ceinture maintenant.